Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frapsolus de Beyond Good and Evil HD, hein, version de définition disponible depuis le 2 mars 2011, il me semble, sur l'Xbox Live Arcade. Faudra attendre mai pour le trouver sur PlayStation Network. Bref, toujours est-il que dans cette vidéo, on va rattraper un petit peu tout le retard que j'ai pris par rapport aux photos, etc. Il y a pas mal de choses que j'avais ratées dans les précédentes vidéos. Donc, histoire de vous situer un petit peu au niveau de l'histoire, nous venons tout juste de revenir de la fabrique de Nutrid, d'où nous avions ramené Double H qui était en bien mauvais point. Bref, toujours est-il qu'on va reprendre avec les photos, comme je le disais, et on va commencer par prendre celle-ci, qui nous permet de découvrir l'espèce des chats sapiens, en gros les Felis sapiens. Merci pour toutes ces précieuses données. Je reviendrai prendre des nouvelles de Double H. Et je crois qu'elle va en avoir bien plus vite qu'elle ne pensait. Qu'elle ne le pensait. Voilà. OCPLB, on casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Allez, on y va. Bon, il n'y a plus rien à voir dans le bar, hein, pour le moment. Oui, t'as qu'à courir plus vite, non mais oh. Bon, comme je vous le disais, ou je sais plus si je vous l'ai dit, nous avions récupéré pas mal de passes dans la fabrique de Nutril, ce qui vont nous permettre d'explorer de nouveaux lieux dans la ville. Avec Iris, ni Doms, ni Alpha, tous avec Iris. Il a un joli panneau. Shiny plus Iris égale peace. Enfin, plus je sais pas quoi égale peace. Bref. Allez hop. Donc, on va déjà explorer cette première zone. Que l'on ne pouvait pas ouvrir auparavant. Et comme vous voyez, on arrive dans une salle qui est petite et vide. Bon, faut pas se fier aux apparences, hein. Hey, il y a... Je crois qu'on a trouvé la faille, Moiselle Jade. Une faille, comme dit le monsieur. Ah non, 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 attends, les mecs. Oh, c'est dommage, il l'a pas dit. 1, 2, 3 poussées. C'est un quartier bloqué par les sections alpha. Soyez prudentes. Ok, on se retrouve plus loin. Ah, c'est dommage. Je suis allé trop vite, en fait. Normalement, il dit un truc, genre 1, 2, 3 poussées. En section entraînement numéro 22, un truc comme ça. Bon, là... Toute la chose va résider dans le fait de réussir à descendre sans se faire toucher. Là, faut attendre que les deux lasers soient passés, et dès que c'est fait, on va vers le muret suivant. Et ainsi de suite. Là, on descend. On se laisse tomber. On se colle contre le mur. On passe, si j'ai le temps. J'ai pas eu le temps, superbe. J'aurais mieux fait d'attendre. Commence à griller les vies pour rien. Ça commence bien. Là, on descend. On se laisse tomber, il n'y a aucun souci, de toute façon, ici. Et là, on avance. On attend un petit peu. Et on passe. Donc, normalement, il y a largement le temps d'y arriver. Ah, ça m'agace, que je me fais toujours avoir, ici. Il y a un pas de trop et on se fait toucher, forcément, mais bon... Le virage me gêne, en fait. Parce que, du coup, j'ai l'impression que Jade avance un tout petit peu plus vite et je me fais avoir à chaque fois que je fais ce passage-là. Bref, j'espère que vous me pardonnerez cette histoire-là. Bon, là on peut descendre, hein. Y a pas de souci. Faut juste éviter le laser, on saute par-dessus dès qu'on le peut. On fait bien attention parce que forcément on peut pas passer comme on le voudrait non plus, hein. Et voilà, donc en bas il n'y a rien à voir à part les gardes qui se baladent en dessous, mais ce n'est pas un problème pour le moment. Et là on va avoir un petit souci de caméra, c'est vraiment pas pratique de se repérer, je trouve. Par rapport au laser. Là on se laisse tomber. On passe par-dessus. Et on nous dit où est-ce qu'il va falloir aller. La caméra qui se positionne mal. Quelque chose là-bas. J'y vais. Voilà, vous inquiétez pas, il peut pas vous repérer de toute façon. Si vous êtes bien planqué comme ça, il ne vous verra pas.
il va reprendre sa place, son collègue s'est arrêté, et en fait, il va nous falloir les suivre au fur et à mesure. Voilà, ce que vous voyez, ils arrivent à désactiver les lasers rouges, eux. Ce qui n'est pas notre cas. Et on monte vite, parce que malheureusement, ils nous repèrent. On est obligé de se relever hein, à ce moment-là. Donc là, on ne descend pas ici, on va bien jusqu'au bout. Jusqu'à cette vitre-là, parce que nous avons besoin, pour continuer, d'appuyer sur ce bouton. On va d'ailleurs devoir faire la même chose sous peu, mais avec un deuxième bouton. Le voici. Et voilà, nous sommes tranquilles. Donc on descend. Et on récupère 3 nouvelles paires, donc 67, 68 et 69. Ça, c'est fait. Et on casse ceci. Donc là, il me semble que ça continue. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc lui, on va le laisser passer, parce qu'on a la chance de pouvoir le zigouiller sans que ça pose problème. Donc on va d'abord attendre qu'il repasse par ici. Et voilà, ça nous permet en plus de gagner un petit peu d'argent. A savoir que vous pouvez bien sûr activer le bouton sans le tuer ce monsieur. Et il faut passer le plus vite possible avant que la porte ne se ferme. Donc là, il faut passer rapidement. On fait attention. Et il va falloir surveiller les échelles hein, qui sont signalées grâce aux éléments bleus là. Parce qu'en haut de cette échelle, il y a toujours un ennemi. Donc là, par exemple, je sais, car là, comme l'échelle est à droite, qu'il va falloir que je me casse à gauche pour ne pas être vu. Là, faut que je reste ici, apparemment. De nouveau un ennemi sur la droite. Maintenant, il va être dans le fond. Donc, faut que je me case ici pour ne pas être vu. Et là, on se dit, non, au secours, il va arriver, et il va nous démonter, et en fait, que dalle. Encore une fois, faut se planquer à gauche parce que l'échelle est à droite. Et nous allons arriver à notre destination. Donc celui-là aussi, on lui fait sa fête. Parce qu'il le méritait bien. Là, on passe par là. Et on casse la porte. Il y a des sections alpha plein les sous-sols d'Ilis. Mieux vaut pas trop traîner ici. Donc là, vous pouvez ramasser des kaboops. Et en dessous, vous avez un animal à prendre en photo, mais nous l'avons déjà fait. Ici, on ouvre, on passe, et on ressort. A savoir que nous étions déjà rentrés dans ce bâtiment-là. Hein. On ressort, en fait, pas par le même bâtiment que par lequel nous sommes rentrés. Hein. Là, où il y avait la porte avec le signe triangulaire. Voilà, on ressort juste ici. Hop là, on quitte. Donc là, on va éviter de parler avec tout le monde. Hein. Sinon, ça prend énormément de temps de faire ça. Donc c'est pour ça que je veux pas le faire maintenant. Sachez qu'ici, on va acheter la perle. Identification compte. Ok. Voilà, on a largement assez d'argent pour acheter tout ça. Hein. Et voilà. On est très apprécié chez Mamago. Nouvelle perle. Maintenant, on va se diriger un peu plus loin, c'est-à-dire ici. Dans la remise, du coup. Donc là, on fait bien attention au rat, encore une fois. En même temps, on a cassé une caisse. Où t'es, toi ? Hé ! Saleté de bestiaux, reviens par ici, t'es où ? On n'y voit rien avec cette caméra. Oh, mec ! Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le caméraman là? Il faut rien? C'est quoi ce bordel? Voilà, on casse ceci. Et là, nous avons un placard, sauf qu'il va nous falloir un code. Et ce code, en fait, nous l'obtenons en parlant à l'un des membres du... Enfin, l'un des personnages que l'on trouve dans le bar, la Kudabar. Hein, il est à l'étage,
au niveau des chambres et il se cache dans une pièce, enfin il se cache, il se plaint dans une pièce, hein, il vous dit que sa famille a été enlevée et qu'il avait volé ce code, histoire de pouvoir braquer, on va dire, la remise. Toujours est-il qu'il n'avait pas utilisé le code, et nous allons pouvoir le faire. Il nous le donne et on peut l'utiliser afin de vider un petit peu la fabrique. Voilà, alors à savoir ici aussi que vous pouvez récupérer encore une fois une photo de ces espèces de bestioles que nous avons déjà croisées dans la fabrique. Faut leur donner un star code s'ils viennent le chercher et on peut les prendre en photo, voilà, mais vous l'avez déjà vu dans une des vidéos précédentes. Donc on va pouvoir ressortir maintenant qu'on a récupéré tout ça. Donc il faut maintenant qu'on passe au magasin, dans le sens où j'avais raté précédemment une photo ainsi que... en fait c'est juste une photo que j'avais ratée et il y a d'autres éléments à récupérer qui sont nouveaux maintenant, comme la perle chez Nouri. D'ailleurs c'est justement ce qu'on va voir, on a une nouvelle perle et un nouveau magazine Iris à récupérer. Ouh, j'ai du mal à articuler. Donc le poiscaille qui est ici, on le prend en photo. C'est un koi ou quoi au koi kumo minru, komonryu. Bref, bizarre. Ok, noté dans mes archives. Merci pour les sous-sous. Voilà, donc ensuite le monsieur, on lui parle. On lui dit qu'on a besoin... Identification compte. Enfin, on lui dit bonjour, okay. Il nous dit qu'il faut qu'on passe la carte. On lui donne aussi le code du réseau Iris, afin qu'il ouvre la porte secondaire. On passe, on achète la perle ici. Qui est le seul élément achetable encore. Hein. Voilà. On descend. Et on va chercher... le nouveau journal. Le Iris 513. Voilà, nous y sommes. Donc on va aller lire maintenant. Iris 513. Trafic d'êtres humains à la fabrique de Nutride. Selon les sections Alpha, les navettes entre la fabrique et les abattoirs assurent le ravitaillement de nos soldats. Mais nos reporters ont réussi à infiltrer les lieux. La fabrique dissimule en fait un gigantesque trafic d'êtres humains. Des centaines de victimes y sont acheminées quotidiennement sous la surveillance des sections Alpha. Les sections Alpha elles-mêmes sont contrôlées par les Doms. Les sections Alpha sont des traîtres à la solde des Doms. Ça, c'est du reportage choc. Ça, c'est du scoop. Voilà, donc on va continuer. Et laisse-moi la place. C'est bon, et on ressort d'ici. Normalement, nous avons à peu près tout vu, et il nous reste un dernier bâtiment, enfin un dernier morceau de bâtiment à visiter, les entrepôts Alpha, on va dire ça comme ça. Le QG, on va dire, plus précisément. Du coup, par ici. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions une porte grillagée, hein, enfin grillagée non, avec des barres, des barreaux, qui était juste ici. Et grâce à notre cher accompagnateur, Monsieur WH, nous allons pouvoir exploser la porte. Dégagez la paix ! Vas-y, mec. Bien reçu. Ouh, il y a un petit moment de lag pendant qu'il... enfin, ça ramait un petit peu pendant qu'il mettait son casque. Et donc, les entrepôts Alpha, c'est ici qu'on va récupérer de nouvelles perles. Je vois où ça mène. On m'a parlé de l'endroit. Entrepôt secret des sections Alpha. Donc ce n'est pas à nous d'appuyer. Bien c'est sûr. À notre collègue. Et nous, on va descendre. Toute seule. Je ne bouge pas de là. Soyez prudente. Mais je suis toujours prudente. Donc on va passer par ici. On fait gaffe, il y a un monsieur qui peut nous voir au fond là. Donc on va d'abord aller le tuer. Pour être plus tranquille. Il se retourne assez rapidement en fait, donc faut réussir à passer de zone en zone pendant qu'il se retourne. Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Bon, t'as bougé. Bon, c'est pas tout ça, mais on a encore d'autres choses à voir. Là, on va descendre. Il y a plein de rats en dessous. Ces saletés de bestioles qui nous attaquent.
Voilà, et ici on va monter. Nous avons une caisse à casser, ce qui va nous rapporter quelques sous supplémentaires. Et ici on ouvre, on va trouver, voilà, des sets de pods. Ça nous permet de récupérer entièrement la vie de notre Overcraft. J'allais encore dire Overboard, décidément. Cette fois-ci par contre je ne me suis pas trompé, donc on continue. Alors je crois qu'on peut avancer tranquille ici. Hein. Voilà. Là faut faire gaffe aux lumières. Même pas vu. Hey. Surprise. Attends. Bonne nuit. Voilà, donc nous n'avons normalement plus rien à voir dans ce coin-là. On continue. Allez, les deux premières caisses de la zone. Enfin non, il y en a une juste avant, mais bon. J'ai du mal à articuler. Hein. Je fais un petit peu de... C'est pas pratique. Faudrait que je mange, en fait. Et là, on fait bien gaffe parce que la porte a tendance à se refermer. Là, on récupère une première perle, la numéro 42. Et on casse toutes les caisses qu'il y a autour, ce qui va nous permettre de gagner un petit peu d'argent. Enfin, un petit peu, beaucoup. Là, on n'oublie pas ces caisses-là aussi. C'est bon, ça semble ok là. Et là, pareil, la porte s'ouvre et faut qu'on fonce. Le roulé-boulé, c'est vachement pratique à cet endroit-là. Hop là, donc on récupère les nouvelles perles. 43 et 44. On a donc 28 perles maintenant. Voilà, c'est quand même pratique hein, pour récupérer de l'argent tout ça. Donc tout ça, c'est ok. Et après, il va nous falloir encore une fois utiliser le monte-charge. Donc je vérifie si je n'ai rien oublié, normalement c'est ok. On monte. Et là, ça va être une phase un petit peu particulière que je trouve pas vraiment pratique à cause de la caméra. Voilà, donc je laisse imaginer qu'il faut courir, et de préférence vite, en esquivant bien sûr tous les éléments. Là, vous pouviez passer à droite, hein, si vous le souhaitiez. Là, on fait bien attention de sauter par-dessus les différents éléments. Là, on fait gaffe aux lumières, parce qu'elles blessent les lumières, en fait. Hein. Là, on va jusqu'au bout, on fait le tour, et on passe par là. Quoi qu'il arrive à m'avoir, et je suis en train de me faire dégommer, ce qui n'est pas normal, ça. Et ici, dirigez-vous bien contre la caisse. Hein. Sinon, on se fait toucher. Voilà. Mademoiselle Jade, tout s'est bien passé? Ça va, mais vaut mieux filer d'ici avant qu'il ne découvre ce que j'ai récupéré. Allez, on se casse. Donc, il n'y a pas de données pour cette zone-là, mais dès qu'on va passer à la suivante, donc le quartier piéton, on va pouvoir vérifier où on en est au niveau des animaux et au niveau des perles. C'est bien pratique ces détecteurs, hein, n'empêche. Alors, voyons voir ça. Donc, les perles, il en reste encore 10 sur la zone. Mais elles sont plus loin, on ne peut pas encore aller les trouver. Vous voyez, on va regarder les différents étages, hein, il n'y en a pas d'autres. Et les animaux, 0 sur la carte, 0 à cet étage. Voilà, on a absolument tout vu sur cette zone-là. Donc, on va passer à la suite. Quitter cette zone. Et oh, allez! Il y en avait un qui était un petit peu coincé dans le décor, là. Et on se tire! Vous voyez, il y a un pas... Je sais pas si vous l'avez vu vite fait, il y avait un passage sur la droite, là. Avec un laser, toujours est-il que ce n'est pas pour tout de suite. Il va d'abord falloir qu'on aille autre part. Comme je vous disais, je vais essayer de récupérer absolument tous les éléments que j'avais ratés jusqu'à maintenant. Enfin, absolument tous, je sais pas, il est bien possible que je rate encore. Bref, toujours est-il qu'on va aller directement au garage Mamago. Mamago, dépannage, service,
Viens te chercher sans le vice. Les amis, bienvenue. Mamago, dépannage, hey Jade, service. Ça faisait longtemps. Bon, on n'a pas besoin de lui parler, il nous dit toujours la même chose celui-ci. Hein. Ah, ça t'embouche un coin, l'ami, hein? Bon, c'est pas tout ça. Vous voyez, il n'y a plus personne pour nous accueillir ici. Est-ce que j'ai pas quelque chose à récupérer par là? Non, c'est ok. Ni ici? Si, y en a un gros, là. Un machin qui donne une clé en plus. Identification compte. Ok. Par l'impulseur méca augmente d'une clé. Et pour être tranquille, on va acheter de boost, triple temporairement la vitesse max ceci. Avec le set de pod, toute l'énergie de votre vie. Un boost, c'est histoire d'être tranquille en fait. Je sais pas si je peux voir combien j'en ai ici directement. Bon, pas grave. On va aller parler à notre ami ici. Et voilà. On pourra désormais sauter avec notre Warcraft. On ressort. Et on va pouvoir découvrir de nouvelles zones. Salut les amis. Mamago, dépannage, service. Alors, par où je pourrais bien commencer par aller? J'ai l'impression que ce que je viens de dire était complètement incompréhensible. Mais bon. On va d'abord aller vers l'île noire, en fait. Parce qu'il y avait pas mal d'animaux que j'avais oubliés par là-bas. En plus, ça va nous permettre de récupérer quelques caisses. Alors, à savoir que les caisses qui sont ici, en fait, c'est des c'est les sections d'hommes qui ont coulé des bateaux. Hein. C'est pour ça qu'elles sont là. Enfin, section d'hommes, alpha, ça revient en même, finalement. Voilà, nous y sommes. Et donc, on peut faire des sauts, maintenant. Mamago, dépannage, service. Viens te chercher sans le vice. Alors comme je disais, on va faire un premier arrêt à l'île aux Noirs pour aller récupérer, photographier les animaux que je n'avais pas vus jusqu'à maintenant. Hein, parce que j'en avais oublié pas mal, malheureusement. Et ça, c'est pas cool. Donc on va aller les voir dès maintenant. On va se faire plaisir. Voilà, alors à savoir qu'il y en avait 3 et non 2 comme disaient certains. J'en avais raté pas mal, hein, par ici. Oula, attendez, il y en a même 4 que j'avais raté, il me semble, là. Au total. Oui, il y en a 4. Ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, en fait. 4 ennemis ratés, mais quelle honte! Là, je sais jamais pourquoi, quand on revient pour la première fois dans cette mine là, je sais pas, ça. Comment dire? Ça bug quand on tape l'espèce de truc bizarroïde là de plantes. Bon, en gros, là, pour prendre en photo le premier animal de la zone que j'avais loupé, il faut monter sur la caisse, frapper, il va faire noir, on sort l'appareil photo et on attend que la bestiole arrive. Elle est là. Et on la prend en photo. Le Planaria rupestris. Les planaires détestent la lumière. Il est rare qu'ils sortent de leur tanière. Voilà, et on se fait des sous. Maintenant, on revient.
Autre zone que j'avais oubliée, par ici, vous allez voir, on a deux bestioles qui se baladent là. Hop là. Le Amoeba Polypodia. Une amibe polypode? Ça, c'est du jamais vu. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Merci. Et je réinitialise ta pellicule. Encore merci. On peut faire tourner la perle. Bon, ça c'est bon. 17. Et c'est qu'on commence à en avoir pas mal des perles. Hein. Avec toutes celles que nous avons déjà dépensées. On repasse par ici. Maintenant, direction ce passage-là. Donc ouais, je disais qu'il y en avait 3, mais en fait, il y en a 4 des animaux que j'avais loupés. Comme quoi... Alors, par ici. Et on passe, on fait un effort, parfait. Donc là, n'oubliez pas qu'il y a toujours un toc d'ennemis qui débarque à cet endroit-là, donc c'est pas forcément pratique pour nous. Dès qu'on va descendre, regardez bien. Les voilà. Voilà, faut pas aller trop vite, sinon bah on se fait taper, quoi. J'attends votre ordre, mademoiselle Jade. Ah. Lui, en plus, il a un marteau, il me semble, donc il peut taper directement au sol pour les faire voler, un petit peu comme le faisait Paige, pardon. Décidément, il faudra que je mange, parce que j'arrive pas à articuler correctement. Ou je boive un coup, au choix. À mon avis, ça va pas arriver la chose. Une fois ici, en fait, il y a un tout petit passage de ce côté-là, et il faut prendre en photo ceci. Le Spongus Gluanteus. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. Hop là. Et il y a un autre personnage à prendre en photo derrière. Qui vient de se planquer dans sa coquille et qui sort. Et bien sûr, je l'ai raté. Voilà, faut attendre qu'il ressorte maintenant. Donc il va s'y reprendre à plusieurs fois. J'aime pas la tête de cette bestiole. Je crois que j'en croiserai une comme ça, elle me ferait peur. Et voilà, photo. Félicitations. Les données sur les mollusques sont rares. Voilà, ça, c'est fait. Donc, normalement, maintenant, si on retourne voir la carte, 0 perles, 0 animaux. Donc, nous sommes tranquilles. En fait, 0 animal, parce que du coup, ça devient singulier. Et oui, on met au pluriel à partir du moment où ils sont 2, minimum. Avant, c'est du singulier. Voilà, c'est ce que je disais, faut faire gaffe quand on descend et quand on revient. C'est tellement agréable ces bestiaux. Donc on va quitter l'île noire maintenant. L'île noire, l'îlot noir, pardon. Et ça ne s'écrit pas l'île au noir, c'est l'îlot, hein, îlot. Parce que j'ai vu que certains l'écrivaient comme ça dans les commentaires, ça m'a fait bizarre sur le coup. C'est un mot à part entière, îlot, hein. L'îlot noir, en plus, ça ne fait pas trop, effectivement. Ça pourrait avoir des propos... Enfin, ça pourrait être considéré comme des propos racistes. Bref. Hop là, nous y sommes. Et on va pouvoir ressortir. C'est terrible, n'empêche, le Mamago Dépannage Service. À chaque fois, ça me reste en tête. Mamago Dépannage Service. Viens te chercher sans le vice. Allez, maintenant par ici. Par contre, j'ai trop peur de que ça dure longtemps, cette vidéo. Vous voyez, il y a des sortes d'effets lumineux qui sont trop bizarres, comme s'il y avait des morceaux fantômes dans la zone, vous voyez. Là, on voit bien, on a l'impression qu'il y a une sorte de panneau. Enfin, de... Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des trucs qui ont disparu, qui sont transparents. Ça fait trop bizarre. L'eau a quand même de gros bugs, hein. Elle n'est pas extrêmement jolie. Allez, on repart. Mamago Dépannage Service. Hop, direction gauche toute. Donc nous avons désormais la possibilité de quitter les eaux territoriales. Attention, attention. Wouhou. Bref. Ah, vous avez vu, c'est cool, hein. Même le beau bateau. Dernier avertissement.
Même le beau bateau du monsieur dans Waterworld, il fait pas pareil. Alors, donc on va regarder. Comme vous voyez, il y a des animaux à prendre. D'ailleurs, j'en ai loupé un autre là-bas ou quoi? Ah non, je sais où il est. Parce qu'il y en a un en haut du volcan là-haut, c'est pour ça. Mais on peut pas aller le voir pour le moment. Et là, vous venez de le voir, il y en a un qui vient de sauter. Oh, baleine. Voilà, donc par là, il y a un bestiau. Il va falloir qu'on arrive à le prendre en photo. Peut-être que je me suis trop rapproché. C'est quoi ça? Un vorax. Ah non. Oh. C'était peut-être lui que je devais prendre en photo. Ah non, le truc qu'on a vu se déplacer en fait. C'est un personnage spécial qui rapporte beaucoup d'argent. Ok, je le répertorie. On le croise pas forcément ici, il apparaît un petit peu à la tourment au niveau des eaux. Ah, les bestioles, elles apparaissent pas toujours au même endroit en fait. Merci encore, Jade. Voilà. Ensuite, il me semble qu'il y en a encore d'autres. Ah non, en fait, non, il y en a plus. L'animal que vous voyez là-haut, là, en haut à gauche, au-dessus de l'overboard, l'overcraft, décidément. C'est l'animal que j'ai raté là, les ennemis. Que j'ai oublié. Bon, maintenant on va pouvoir revenir. Ah non, non, je me trompe encore en fait. Enfin, mais quelle quiche. Décidément, voilà, c'est parce que nous en avons un à prendre ici, il me semble. Voilà, l'espèce d'animal au fond. Voilà, on se fait du fric et là. On le prend en photo lui. Le Teratosaurus Imperator. Parfait. Je date et j'archive. Voilà. Je me sens mieux déjà là. Donc bon, comme je vous le disais, en fait, en ce qui concerne l'animal, vous voyez, il y a des perles. Énormément de perles encore dans la zone. Il y en a 36 encore là. Hein. C'est pas rien. Et l'animal, je pense que c'est pareil en fait. Vous voyez, c'est, ça correspond à l'îlot noir. Et en fait, l'îlot noir, c'est la fameuse zone dont nous a parlé Mo au bar. Si vous vous en souvenez. Là, on va rentrer en ville. Entrepôt de section alpha. Ah, c'est moi qui me gourais alors. Donc, nouvelle bestiole à prendre en photo. Éloigne-toi à toi. Je veux prendre la bestiole en photo. Mets-toi pas devant. Voilà, Macropodia omnivora. Ok, je le répertorie. Donc normalement, on est ok cette fois-ci. Donc là on peut sauvegarder hein, si on le souhaite. On dirait un spermatozoïde géant ce bidule. Ou des sortes de larves bizarroïdes, je sais pas comment on pourrait appeler ça exactement. Alors... Contact, mademoiselle Jade, il s'enfuit avec une perle. Trop cool. Intrusion, Allez hop, attaque d'éléments. Bien joué, Yad. Un boost et un deuxième boost, ça pourra toujours nous servir. Hein. Donc après, il me semble pas qu'il y a autre chose à voir pour le moment ici. Un
Intrusion, intrusion. Carlson et Peter. Voilà. Et de 1. Donc maintenant, il va falloir en amener d'autres à chaque fois. Si j'ai bien retenu la leçon, hein, bien sûr. Je vais retourner voir là-bas s'il n'y avait rien à voir. Entre les différentes zones. Ah mais si, on peut les appeler, ouais. Superbe. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Ah, t'imaginais la nuit, hein. Ah, caméra, caméra, caméra. Je sais pas où je tape. Et voilà. On se sent déjà mieux. On va falloir continuer à en appeler. Intrusion, intrusion, procédure de test. J'attends votre ordre, mademoiselle Jeanne. Bien reçu. Voilà, faut encore en appeler un autre. Viens ici, mon ami. Là, allez, viens. Intrusion. Procédure de test. J'attends votre ordre, mademoiselle Jeanne. Et voilà. Viens là, ma bestiole, là. Ouh, il y en a trois, là. Ouh, c'est bon, ça. On va se régaler. Et voilà. Ça, c'est de la perle. Il y en a un qui rapporte rien. Oh, la triche. Ah non, il s'était caché, c'est pour ça. Et voilà. Trois nouvelles perles. 39, 40, 41. C'est Mamago qui va être content. Plus que 3, on pourra acheter un nouvel élément pour notre Overcraft. On va ressortir. Puisque nous avons tout vu ici, hein, pas besoin de s'attarder plus longtemps. Je sens que cette vidéo sera sûrement la plus longue depuis que j'ai commencé à filmer le jeu, quoi. Mamago, dépannage, service. Viens te chercher sans le vice. Il y avait une grosse baleine là-bas. Et je crois que j'ai déjà pris en photo celle-ci. Bref, on passe en ville maintenant. Parce que nous avons encore une perle à récupérer. Je pars pas au bon endroit. C'est ici qu'il faut aller. Donc vous pouvez passer un peu plus tôt. Hein. Là, non mais c'est toi qui conduis comme une quiche là. Aïe. Mais mince. Il y a des fois où il est vraiment pas maniable, hein, ce truc. Voilà, faut aller tout au bout. Et au bout, il y a une perle. Voilà, dans la caisse, hein, bien sûr. Et voilà. 18 perles. On s'en sort plutôt bien, hein, n'est-ce pas? On continue. Mamago, dépannage, service. Non mais décidément, ça me reste en tête cette histoire-là, mais c'est catastrophique, hein, je vous dis. Bon, c'est pas tout ça, mais on a encore plein de choses à faire. Il y a une grosse bestiole qu'on vient de voir en fond. Donc on va partir complètement par là-bas. Parce que vous voyez, il y en a un là. Et c'est un Manta Magnificent. Sense, pardon. Parfait. Je l'inclus dans la liste. Et ça rapporte des sous, hein. On continue. Alors, il faut que je m'y retrouve. Voilà, là-bas, il y en a un autre qui se planque bien. Là. Et lui, c'est la légende des mers. Donc, faut attendre qu'il sorte.
On va la voir. Allez, sens-moi ta tête, mon gros. Plouf. Et voilà, photographe animalier. Succès, utiliser 6 pellicules de photos animalières. Donc pour les autres succès que j'ai gagnés, finissez premier dans les 4 courses de Warcraft, poursuivez les 4 pillards, bon c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, tuez 10 gardes des sections alpha, on l'avait déjà vu celui-là ou pas, je sais plus, non en fait non, je sais plus si on l'avait vu pendant la vidéo ou pas. Obtenez 10 cœurs pour la santé de Jade, chargez l'Overcraft, hein, c'est ceux qu'on a obtenus pour le moment, il en reste plus quelques-uns. Vous l'avez trouvé ? J'étais sûr que c'était plus qu'une simple légende de pêcheur. Voilà. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. C'est ok, miss. 28. Donc maintenant, on va aller vers cette île-là, celle qui est juste à côté de notre phare, pour faire une nouvelle mission. Enfin, une nouvelle mission, non, même pas. C'est une grotte de pillards, en fait. Mademoiselle Jade, l'entrée secrète est dans la course 3 des abattoirs. Yossé. Oula, et j'ai reçu un message, du coup, j'ai même pas eu le temps de le lire. J'ai failli repartir avec le mamago dépannage service. C'est quoi ce mail? Attends, arrête d'avancer. WH, Nino a réussi à télécharger des vieux plans des abattoirs. Il semble que la troisième course du championnat passe juste sous le mur d'enceinte. On a repéré dans le mur une ouverture qui a l'air assez large pour un Overcraft. Parfait. Attention maintenant. Oh non, mon dieu! On va se faire voler. Voilà, pas besoin de s'occuper avec ça. Donc là, premier conseil, utilisez les boosts. Il faut aussi utiliser le saut dans cette course-là. Hein. Comme ça, si vous commencez à sentir que ça commence à être un petit peu juste, ça peut vous sauver la vie. Vite, la porte se ferme. Voilà, comme ici par exemple. Je sentais que c'était un petit peu juste pour passer. Le boost nous permet de nous en sortir quand même. Là, idem. Aïe, bobo. J'aime pas ça là. Et voilà, je me suis fait avoir. C'était pas joli, je vous l'accorde. On va recommencer. Je me suis fait avoir là par le système. Qui m'a grillé un petit peu. Voilà, on s'en fiche. De toute façon, on les prenne toujours 100 en fait. Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle Jade. De justesse. Donne-moi mes sous, saleté! Vite, la porte se ferme! Ouah, c'est la fichue encore une fois. Ouais. Oh non! Même pas! Il s'est passé quoi là? Eh mais je fais de la paille! Où est-ce qu'ils sont mes boosts là? C'est passé, c'est bon. Alors on réaccélère, hein. Là, je sais pas ce que là, la caméra à rebondir comme ça, mais... Et voilà, et normalement, c'est bon, nous y sommes. Maintenant, on va plus que lui faire sa fête. Et on récupère la perle. Voilà, cette fois-ci, au moins, j'y suis arrivé. Et on récupère, bien sûr, plein de sous. Ce qui est assez pratique aussi. Donc il reste maintenant une dernière grotte des pillards à faire, qui est donc la plus compliquée. Normalement je devrais m'en sortir, mais ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois que je les ai faites, celle-ci,
J'y suis arrivé du premier coup, toutes les fois. Et là, je me plante. C'est pas juste. Enfin, il me semble que je me suis déjà planté aussi dans, un peu plus tôt dans les vidéos, mais voilà quoi, ça m'agace parce que je me plante jamais quand je ne filme pas. Alors, la dernière grotte des pierres, en fait, elle se trouve juste en face, ici. Il me reste quoi au niveau des animaux à voir, là? Il en reste 7 au total. Ou des caisses. Bon, là, on les casse, les caisses, parce qu'elles vont apparaître. Elles vont réapparaître dès qu'on sera sorti. Ce qui fait que c'est utile de les casser maintenant. Vous allez, hop. Des eaux territoriales. Je m'en fiche. Grotte des pillards numéro 4. C'est parti pour un tour. On va se les faire, ces pirates-là. Bref, c'est parti. Attention, Mademoiselle Osiris. Pique-moi mon fric, toi, tu vas voir. Bon, je vous l'ai dit, celui-là, plus compliqué. Vite, la porte se referme. J'ai vu, t'inquiète. Donc là, plus d'une fois, on aura utilisé le boost. Hein. Ouais. Et là, c'est quasiment une obligation. Sans pouvoir s'en sortir correctement. Waouh, je suis mal parti là. Je suis bien dégusté là, et le problème c'est que ça ralentit bien cette histoire là. De justesse. Oui, je sais. J'utilise tous mes boosts. Voilà, c'est bon, nous y sommes. Et voilà. Nouvelle perle et plein de sous. Enfin, plein de sous, façon de parler, quoi. Voilà, perle numéro 51. Butin des pillards. Donc là, normalement, vous avez le droit à un beau succès qui vous dit que vous avez vaincu les 4 pillards de la zone. Vous sortez des eaux territoriales. Je sais. Dernier avertissement. Ah, est-ce que si on va trop loin, quick, y a plus. Bref, maintenant ce que nous allons faire, c'est nous occuper des courses, mais on ne va pas aller aux abattoirs tout de suite. De boost, ça va faire du bien. Donc là, comme l'autre fois, par contre, on explose les caisses que dès qu'on va ressortir des courses, elles seront de nouveau là. Regarde ça, encore un bateau coulé par les hommes. Voilà, c'est par ce genre de réplique que l'on comprend qu'en fait, c'est des bateaux qui ont été coulés. Après, vous pouvez les détruire vous-même, il me semble, les bateaux. Mais bon, c'est pas conseillé. Les courses 3 et 4, contrairement à ce que je croyais, ne sont pas en ville, elles sont ici. J'avais complètement zappé cette histoire-là. Donc pour le moment, on va faire la course 3 et 4 normalement. Il faut qu'on cherche le passage secret si on veut infiltrer les abattoirs. Et ouais, mais d'abord les courses normales. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. 13, 2, 1, go. Voilà, comme ça on peut directement bien commencer. Donc l'entrée, on va jusque la passer, il me semble. Oh là, il vous dit qu'il faut trouver le passage, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop la première. Deuxième tour pour la patinoire. Mais je suis quatrième, moi. C'est quoi ça? Voilà, il est à gauche, là, il me semble, le passage après. Il faut sauter par-dessus le truc, j'oublie à chaque fois. Voilà, il est là, juste à gauche.
le passage. Dernier tour pour le petit nouveau. Voilà, là on le maîtrise largement le mec. Hein. Sauf erreur de ma part. Et voilà. Donc là j'ai mis 2 secondes de trop pour battre le record. Hein. Je vous rappelle que vous gagnez 500 pièces de plus. Donc comme je disais, vous gagnez 500 pièces de plus si jamais vous arrivez à battre un record. Hein. J'aime l'argent. Bref, demi-tour. Course 4. Vous l'avez vu, je crois que c'est... Je suis quasiment sûr, il ressemble trop à Tonic Trouble, ce personnage là au-dessus. Vous savez, l'espèce de personnage sauce tomate. Il va falloir faire nos preuves, mademoiselle Jade. Ce ne sont pas des temps. 13, 2, 1, go ! Voilà, les boosts peuvent être utiles pendant ces courses. Hein. Faut pas les oublier. Donc là, faites attention, vous pouvez prendre plus de près par ici. Deuxième tour pour le petit nouveau. Voilà, pas grand souci hein, pour le moment, comme vous voyez. On est en tête, Moiselle Jade. Bah, tu croyais quoi, que j'allais être dernier? Ah, j'ai raté le... l'accélérateur. Là aussi, superbe. Alors ça c'est un risque assez important de faire la connerie que je viens de faire. C'est-à-dire rester coincé dans le décor. Allez, on va les mater, là, c'est bien parti pour. Mademoiselle Jade, on a remporté le championnat. Wouh. Ah, ah, oh, laissez-moi. Et on a même réussi à battre un record. C'est pratique. Donc on va gagner une perle plus 1500 pièces. Enfin, pièces ou crédits, je sais pas exactement ce que c'est encore une fois. Et voilà, et on va pouvoir maintenant repartir. Donc d'abord les 1000 pièces, je coupe, hein, et les 500 pièces grâce au record. Enfin 500 crédits, et on ressort. On va donc maintenant aller au phare pour retrouver un petit peu ce que nous a demandé de voir Paige. Le cochon. Parce qu'il nous a précisé qu'il y avait le beluga qui dormait sous le phare. Et ce serait quand même dommage de le rater. Ah, des caisses. Des sous. Ah bah non, c'est pas des sous, c'est des boosts superbes. L'arnaque. Quoique ça pourra servir plus tard, hein, les boosts. Voilà, entrée du phare. Entrée du phare, j'ai dit. Et il va falloir nous occuper... Mon téléphone allait sonner. Il va falloir nous occuper de ce qu'il nous a demandé de faire, c'est-à-dire... activer ici. Donc il y a un premier code. Alors je sais pas quelle chaussure c'est. Est-ce que ça serait la chaussure gauche, droite? On va aller voir.
C'est où déjà notre inventaire? Je ne me souviens jamais. Non, c'est en bas, c'est... Donc, inventaire, objet, c'est où les objets? Non, je veux juste les voir. Voilà. Donc j'ai noté les deux codes sur un morceau de papier, histoire d'être plus tranquille. Il y a le P6V7 et le C6J7. Au moins, les chiffres sont pas difficiles à retenir. C'est les mêmes. Et on va taper ça. Alors, on va bien voir quel est lequel appartient auquel. Parce qu'il y a deux panneaux hein, qu'il va nous falloir remplir comme ça. P6 donc. V7. On valide. Code incorrect, donc apparemment c'est pas celui-ci. Il va falloir essayer l'autre. C6J7. Ça irait plus vite dans l'autre sens. Voilà, code correct. Premier panneau débloqué, il va falloir trouver le deuxième maintenant. Il me semble qu'il est carrément à l'intérieur là-bas. Ou pas, c'est moi qui craque. Il est pas ici. Il y a quoi par contre là? Il blablate encore le monsieur. Ouais, tu parles d'amis Iliens. Va falloir qu'il trouve mieux pour son discours celui-ci, hein. Il doit être en bas alors. Pourtant j'avais regardé. Ou alors il est dans la baraque, je sais plus, j'ai un doute. Bah, j'ai un gros doute. Je me souviens d'où est-ce qu'il est exactement. Pourtant, il me semble pas qu'il soit dans la baraque, ce truc. Ah, si, il est là. Donc, c'est moi qui avais tort. Et donc, le code qui marchait pas tout à l'heure, celui qui va marcher ici, c'est P... 6 V7. Et voilà, validé. Ah mince, validé. Donc on va pouvoir aller là où il faut maintenant. C'est-à-dire au passage secret. Qui est plus secret du tout. Parfait, mademoiselle Jade. On peut aller où? Ça fera beaucoup de choses pour une seule vidéo, n'empêche. Hein. Pray? No. Crisis? No. Et le voilà, ce fameux beluga. Paige, tu m'as caché ça pendant 20 ans. Eh ouais. Il voulait sans doute vous protéger. Donc il y a le check-up, etc. Ouais, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est impressionnant, quoi. La fille, elle vit là depuis le début, elle a rien capté, hein. Bon, c'est pas tout ça. Le check-up, bilan beluga. Analyse, ok. Voilà, je pense que c'est tout bon. On a tout récupéré. Normalement, on peut monter aussi dans le truc, hein, mais bon, ce sera pas pour tout de suite.
On va aller lire ce fameux disque. Acheté chez ces voleurs de Mamago. Voilà, on sait maintenant ce qu'il va nous falloir. Donc on va faire un dernier voyage jusqu'à chez Mamago. A savoir que nous ne pourrons pas faire le voler l'appareil tant que nous n'aurons pas les deux stabilisateurs. Allez, viens là mon grand. C'est parti. Et donc, on s'abattra au garage Mamago et on arrêtera la vidéo ici d'ailleurs. Faut savoir s'arrêter à un moment ou à un autre, comme on dit. Et ça fait quand même un sacré moment que j'ai commencé, il me semble. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Peut-être que pour une fois j'ai été efficace, je me rends pas compte. Oh, il fait beau! J'aime ça. Mamago, dépannage, service. Viens te chercher sans le vice. J'ai plus de Kinder chocolat. On revient toujours chez Mamago. Salut Jade. On va quitter. Lui, est-ce quelque chose de nouveau à lui dire? Quitter. Je crois que c'est par là qu'il faudra que j'aille pour acheter je ne sais plus quoi. Je sais plus exactement. Faudra aller voir la mam. Rien de neuf ici. Ah, il a changé de côté, lui, encore. Hein. Ah, mais non, stabilisateur aérien, il est là. Donc ça veut dire que je peux aller le chercher dès maintenant. Alors c'est quoi qu'il fallait qu'on aille chercher ailleurs? On n'a plus de stabilisateur aérien, Jade. Les météodomes ont détruit notre stock. Mais bon, j'en ai commandé. Je t'enverrai un mail dès qu'ils arrivent. Bon, ben, je crois que nous avons tout vu, tout fait. Et nous devons maintenant nous diriger vers les abattoirs. Toujours est-il qu'on va garder cette chose, enfin, cette action, pour la vidéo suivante. Donc, comme je vous le dis, on se retrouvera très bientôt pour ce qui est les abattoirs. Ah, il nous faudra refaire la course numéro 3 afin de trouver le fameux passage qui mène jusqu'aux abattoirs. Et on verra bien ce qu'on va y trouver là-bas. Bref, toujours est-il encore une fois que je vous remercie, comme toujours, très agréable que vous soyez là. Je vous souhaite tout plein de bonheur, encore une fois aussi merci à Kevin Monnier qui a payé le jeu. On se retrouvera donc très bientôt pour la suite des événements. Allez, à ciao tout le monde, salut !